pense que la réconciliation, là, c'est une affaire de tous les Ivoiriens. Qu'ils aient joué un rôle ou pas dans les crises que nous avons connues, chacun doit apporter sa part pour la réconciliation, particulièrement ceux qui ont des partisans. Et donc, nous avons été très heureux du retour du président Laurent Gbagbo, du retour du ministre Charles Blé Goudé. Il reste maintenant le premier ministre Soro Guillaume. Il faut qu'il rentre. Et les gens n'ont pas honte de dire qu'on est déjà réconciliés. Jusqu'à même, ils ont supprimé le ministère de la réconciliation. Mais ils se blaguent eux-mêmes. Sinon, nous, là, on sait. Comme on dit qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a deux mondes, on peut le comprendre. Sinon, nous, dans notre monde, là, on sait que la réconciliation, là, elle n'est pas encore effective. Elle n'est pas encore effective parce que tous les fils du pays ne sont pas encore là. Le président Guillaume Soro est contraint à l'exil, ce qui est contraire à notre constitution. Mais malheureusement, là, nous, on est spécialisés dans les violations constitutionnelles. Donc, ça aussi, là, on est habitué. Donc, on ne peut pas dire qu'on est réconcilié. On n'est pas réconcilié parce qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Pendant qu'on a nommé les Mangou ambassadeurs, ils sont en train de travailler pour l'État de Côte d'Ivoire comme s'ils n'étaient pas des acteurs de la crise. Pendant qu'on a amnistié Madame Simone Eve Gbagbo, on a gracié le président Laurent Gbagbo lui-même. Récemment, on a gracié Dogo Blé et les autres. C'est 20 ans de Charles Blé Goudé là, qui est toujours sur sa tête. On appelle ça deux poids, deux mesures. Le président Gbagbo même, qui est acteur principal, est gracié. Et puis Blé Goudé n'est pas gracié. Quel intérêt on a à maintenir les 20 ans là sur lui? Vous n'avez même pas honte. Moi, ça me fait pitié, quoi. C'est quoi tout ça, là? Il ne peut pas avoir de compte bancaire. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Si vous êtes sûr que vous êtes majoritaire dans le pays, là, laissez les gens libres de mener leurs activités politiques. Et puis, c'est nous, le peuple, là, qui décidons de qui on veut. C'est tout. C'est pas compliqué. Quand nous, on est assis ici, là, on attend que le président, le premier ministre Charles Blé Goudé soit gracié. Mais que vous graciez aussi Guillaume Soro. Graciez-le. Parce que si on veut mettre dans la balance tout ce que on a reproché à ce que vous avez gracié, là, qu'est-ce que les deux-là ont fait de moins ou que, de plus plutôt, pour que eux, ils soient toujours dans une situation comme celle-là? Donc, on peut pas dire que il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quelle réconciliation? Vraiment, c'est dommage, hein, c'est dommage. Et nous, en tant que société civile, nous allons tout faire pour que cette réconciliation soit effective. Et la première chose, c'est de revendiquer le droit pour tout le monde. Vous avez gracié les autres, gracié tout le monde. Et puis, on va avancer. C'est là, là, maintenant, là, on va commencer à parler de réconciliation. Que Dieu vous inspire, si vous le connaissez, bien sûr. Donc, il y a un autre problème encore qu'ils sont en train de créer. Ils ont annoncé que du 1er au 30 avril 2024, là, ils vont faire la mise à jour de la cartographie électorale. Partagez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils disent qu'ils vont faire la mise à jour de la cartographie électorale. Est-ce que chez eux, cartographie électorale équivaut à découpage électoral? On n'en sait rien. Parce que quand ils font leurs choses, là, ils n'informent pas les gens. Eux seuls, ils s'asseyent, ils prennent leurs décisions, ils viennent, ils annoncent. Quand on bavade, ils commencent à faire des précisions. Donc, on vous demande, est-ce que cartographie électorale, là, c'est la même chose avec découpage électoral? L'opposition s'est beaucoup plainte du déséquilibre qu'il y a dans le découpage électoral. Donc, si vous voulez corriger ce découpage-là, le bon sens aurait voulu que cela se fasse de façon participative. C'est-à-dire, vous réunissez tous les acteurs politiques et sociaux et vous leur dites, voilà ce que nous voulons faire, vous prenez en compte les observations des uns et des autres. Quand c'est comme ça, là, quand vous venez avec vos résultats, il n'y a pas de contestation. Normalement, même si on veut que 2025 se passe dans la paix, là, c'est maintenant là même, on doit nous donner tout le calendrier électoral. Tout le calendrier. Comment vous allez faire, quand et comment vous allez faire le découpage? Les révisions, là, dans l'article 6 du code électoral, ça doit être annuel. Donc, on attend pour cette année, on attend pour l'année prochaine. Mais tout ça, là, ça doit être précisé. Mais parce que vous n'avez pas confiance en vous, et que vous voulez toujours prendre une avance sur les autres, vous surprenez les gens avec ce genre d'informations. Vous allez vous lever un matin, on va faire la révision de la liste de telle période à telle période. On va se plaindre. Non, c'est pas suffisant. On va ajouter une semaine. Et puis, c'est fini. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Maintenant, au-delà de tout ce que je suis en train de dire, là, nous autres, on dit et on assume. La CEI n'est pas crédible. Le Conseil constitutionnel n'est pas crédible. Non, faut pas on va parler hypocritement d'élections apaisées en 2025 si on n'a pas réformé ces deux organes. Et l'opposition, là, on sait pas dans quoi vous êtes. C'est maintenant on doit parler de tout ça.
Un trimestre de 2024 est déjà passé. C'est maintenant là qu'on doit parler de toutes ces questions. On les évacue en 2024. Quand on va à 2025 là, c'est pour parler d'autres choses. Vous allez vous taire jusqu'à 2 mois des élections. Ils vont venir à leur comédie de dialogue politique, venir vous imposer tout, et puis voilà encore. Vous avez quel problème? C'est pas aujourd'hui on se connaît dans le pays? Pourquoi est-ce que tout ce qui se passe dans le passé là, ça ne vous sert pas de leçon? C'est vous toujours vous êtes dans une stratégie qu'on comprend pas. Après, on voit pas le résultat des stratégies là. On est dans les mêmes choses. En tout cas, nous, notre rôle, parce qu'on veut la paix pour le peuple là, c'est de vous interpeller, vous tous là. Pouvoir, opposition, c'est de vous interpeller. Si le pouvoir est vraiment de bonne foi, avant la fin du premier semestre 2024 là, vous avez donné tout le calendrier. Vous avez appelé l'opposition pour en discuter. Vous avez un calendrier consensuel. Et puis nous tous, on marche dessus et puis on s'en va. Vous aussi, opposition là, vous êtes toujours assis, vous attendez qu'on vous appelle. Mais réunissez-vous pour les appeler aussi. C'est quoi le problème? Vous êtes dans vos divisions, en train de vous auto-détruire. Vous ne pensez même pas au peuple. C'est pour ça que nous, on a dit que en 2026, là, on va aller à l'hémicycle. Parce que vous ne vous occupez pas du peuple. Les problèmes du peuple, là, vous êtes assis. Et puis c'est Assalé Thiemoko seul qui parle. À me permettre d'en arriver à ma deuxième visite cette semaine. Samedi passé, nous sommes allés à Tia Salé pour saluer le député Assalé Thiemoko. Le seul député de ce pays. Le seul qui a comportement des députés. Le seul qui mérite qu'on prenne notre argent pour le payer. Les autres là, ils sont assis là-bas pour tout subir. Ça fait pitié. Pourtant, vous avez dit au peuple que vous voulez aller les représenter là-bas. Maintenant, on vous envoie là-bas, vous êtes assis là-bas, vous ne faites rien. Vous ne nous informez de rien. Un bon député, il communique avec le peuple. Qu'est-ce qui se passe là-bas, là? Vous venez nous consulter, vous venez nous informer. C'est comme ça on fait. On vous donne salaire, on vous donne assurance maladie 100%. Chaque trimestre, vous avez 2 500 000. Vous venez nous parler, vous prenez ça, on ne sait pas ce que vous faites avec. C'est Assalé Thiemoko seul qui se comporte en député, qui se comporte en quelqu'un qui aime le peuple. Il se comporte en quelqu'un d'intègre. Donc, nous, on est allé le voir pour le féliciter parce que sa victoire même aux dernières élections, là, ce n'était pas facile. Il a fallu que Dieu même soit avec lui et qu'il se batte comme il a toujours su le faire. On est allé le féliciter et on est allé aussi lui demander son appui pour nous aider à être comme lui. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'Assalé Thiemoko dans ce pays-là. Si on a des gens comme lui à l'hémicycle, les députés là vont plus jouer les moutons. Parce que beaucoup vont parler, plusieurs vont parler. Le peuple sera informé, le peuple sera conscientisé, le peuple sera formé. Donc vraiment, nous là, on est déçus de nos députés. Particulièrement même ceux de l'opposition. Particulièrement eux. Donc on annonce déjà même à nos membres qu'on a obtenu du député Assalé qui va venir former les membres de ACI en mai sur le rôle du député et sur les stratégies pour gagner une élection quand on n'a pas détourné des milliards. Il va nous former et puis on va se trouver sur le terrain là-bas. Ça veut dire quoi? Oh, vraiment. Donc, ça c'était un sujet parmi tant d'autres. Nous allons parler de nos déguerpissements. Affaire de déguerpissement là, beaucoup regardent et puis ils pensent que ça ne concerne que les autres. Il y en a qui poussent la méchanceté à dire que ils sont en train de faire ça à leurs propres partisans. Mais vous vous trompez et puis sortez des émotions. Dans tous les quartiers là, il y a tout le monde là-bas. Il y a toutes les nationalités. Il y a toutes les obédiences politiques, il y a toutes les ethnies. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. On est en train de parler de l'être humain. On est en train de parler de la dignité humaine. On n'est pas en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de familles qui sont en train d'être détruites. La famille qui est la base de la société, là. On est en train de parler de ça. On est en train de parler d'élèves qui sont mis à la rue, de scolarités qui sont interrompues. On est en train de parler de ça. On est en train de parler d'un gouvernement qui dit qu'il est en train de lutter contre la pauvreté et qui sème la pauvreté, qui sème la mort. C'est de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler de pouvoirs publics qui n'ont pas honte de mentir à la télévision. C'est de ça qu'on est en train de parler. On dit quartier précaire. Demandez-leur de vous définir c'est quoi un quartier précaire. Par rapport à quoi un quartier est précaire? Moi, je vais vous répondre. Quand on dit quartier précaire, là, il y a deux choses. La première, c'est que les maisons dans ce quartier sont construites avec des matériaux précaires. Quand on dit matériaux précaires,
Ça veut dire que ce n'est pas des maisons en dur. Ce n'est pas des maisons avec du ciment. Ce sont des maisons en bois. Ce sont des maisons en sachet. Ce sont des maisons avec du plastique, en matériaux précaires. C'est ça. Maintenant, en dehors des maisons, il y a la viabilisation du quartier. Est-ce que le quartier où les gens sont est loti? S'il n'est pas loti, c'est un quartier précaire. Parce que aucune commodité n'a été réunie pour que ce quartier-là satisfasse tous les besoins des populations qui sont là. Il n'y a pas route, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas électricité, il n'y a pas d'infrastructure sociale de base. C'est pas loti. Mais ce que les gens là viennent vous présenter comme quartier précaire là, les gens ont des papiers là-bas. Papier là, c'est l'administration qui signe. Et si un coin n'est pas loti, l'administration ne peut pas signer papier pour donner à quelqu'un. Il y a des gens qui ont des ACD là-bas. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont qu'à nous dire la vérité dessus. Si on sait, c'est une affaire de dire que c'est quartier précaire, cité Kestab n'est pas un quartier précaire. C'est une cité qui a été conçue depuis 1997. Il y a 559 maisons, allez voir. On a fait focus dessus. GESCO même là n'est pas quartier précaire. Les gens ont ACD à GESCO. Ils ont leur papier, ils peuvent vous montrer. Donc, affaire de quartier précaire, ils n'ont qu'à mettre ça de côté. Maintenant, quand on parle de zones à risque, ce sont des zones où les habitations sont construites dans des zones qui ne devaient pas être constructibles. Soit parce qu'il y a un ravin, soit parce qu'il y a un élément naturel qui menace la stabilité de ces maisons. Maintenant, d'après eux-mêmes, chaque fois qu'il y a les saisons des pluies, il y a une dizaine de personnes qui meurent. Mais si vous n'êtes pas capable de garantir un minimum à ces populations qu'on déplace, mais il faut les laisser là. Au moins chaque année, la nature va tuer 10 personnes plutôt que vous veniez tuer des milliers de personnes. Vous venez détruire des scolarités, vous venez détruire, faire pire que la nature. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui ont des papiers. Il y a des gens qui ne sont pas dans un quartier précaire. Il n'y a pas d'inondation dans leur quartier. Et puis on vient, on casse. Ils ne sont pas au bord d'un ravin. Et puis on vient, on casse. Maintenant, même ceux qui sont dans ces conditions-là, qu'on le veuille ou non, ils ont bâti leur vie là. Et c'est la complicité de l'administration qui sont là. Il y en a un qui paye impôt foncier. Donc, vous ne pouvez pas venir détruire la vie des gens avec des prétextes fallacieux et avec des mensonges. Maintenant, on se plaint, vous définissez des mesures. Si vous ne voulez rien faire, vous dites que vous ne voulez rien faire, vous n'êtes pas obligé. Mais quand vous définissez des mesures qui n'ont pas de sens, vous vous ridiculisez. Parce que c'est pas possible. On peut pas donner 250 000 à quelqu'un pour se reloger dans Abidjan, là. Alors qu'on dit qu'on veut détruire les quartiers précaires. Il n'a qu'à aller habiter dans quel quartier si c'est pas quartier précaire. Avec 250 000. Il va enlever dedans les frais de visite de maison. Ce qui reste là, il prend pour payer maison de combien? Il va forcément aller dans un quartier précaire. Donc vous allez le déplacer à chaque fois. Et vous allez casser sa maison ici, vous allez donner 250 000 et l'envoyer là-bas, vous allez casser ainsi de suite. C'est pas responsable. C'est pour ça que nous on dit, avant de faire votre salle de soigne, recensez les gens. Mais comme vous n'aimez jamais ce qui est clair, pour pouvoir voler vous-même, vous ne recensez pas. Vous finissez de casser maison des gens, maintenant vous demandez recensement. Regardez les chiffres qu'on nous a donnés à GESCO. On dit que on a payé, parce qu'ils ont commencé hein, le jeudi, ils sont venus à leur folklore. Là, trois ministres sont allés à la locodrome de Yopougon pour lancer le paiement des 250 000. Il y avait le ministre Mamadou Touré, le ministre Amadou Koulibaly et la ministre Dogo Belmonde. Les trois là sont partis parler aux gens pour leur dire des choses. Et il se trouve que les listes sont biaisées. Et ça, c'était prévisible. Maintenant, ceux-mêmes qui sont responsables de dégâts qu'on connaît là, on n'a pas pris leur liste. Voilà, je vous dis. On dit que on a indemnisé 1402 personnes, dont 1199 locataires et 203 propriétaires. Quels 203 propriétaires? Quels 203 propriétaires? Selon le recensement dont nous disposons là, à GESCO là, là où vous avez cassé là, il n'y a même pas 120 propriétaires. Il n'y a même pas 120 propriétaires. On nous a fait le point de 112 avec les noms. Et puis, il y en a qui étaient partis, qui viennent. Quand on complète là, ça fait même pas 120. Vos 203 propriétaires là, vous les avez enlevés où? Maintenant, c'est les propriétaires qui doivent donner le nom de leurs locataires puisque vous n'avez pas fait de recensement. Donc, les 1199 locataires là, vous les avez enlevés où? Nous, on nous a dit sur le terrain. Et vous allez voir, le focus va sortir d'ici demain matin. Les populations elles-mêmes témoignent. Il y a des gens qui sont dans d'autres quartiers, ils ne sont même pas touchés, ils sont venus prendre l'argent là. C'est eux que vous avez vu à la télé content là. On n'a pas cassé leur maison, on leur a donné l'argent. Pourquoi ils ne vont pas être contents? Ils n'ont pas interrogé les vrais déguerpis. Moi, demain, je vais vous publier focus avec les vrais déguerpis. Vous allez entendre ce qu'ils vont dire. Mais il y a un problème dans ce pays là.
on crée des problèmes et puis on fait comme si on vient sauver les gens. C'est ça qu'on appelle pompier pyromane. Ceux qui ne comprennent pas français là, pyromane c'est celui qui aime mettre le feu aux choses. Pompier c'est celui qui éteint le feu. Donc quand tu es à la fois pompier et pyromane, ça veut dire que toi-même tu mets le feu, toi-même tu fais semblant de venir éteindre. C'est dans ce rôle-là que l'État de Côte d'Ivoire s'inscrit. Mais ça fait pitié, ça c'est pas le rôle d'un gouvernement ça. Vous êtes méchant. Le mot méchant là-même, là, c'est petit. Vous êtes sorcier. Mais Dieu, la Bible dit, il est lent à la colère. Il va vous frapper un jour. Parce que ce que vous faites là, on ne fait pas ça. C'est, ça là-même, c'est plus que la guerre. Quelqu'un est là, un coup, on vient, on casse tout. Il ne s'attend pas à ça. Il pleure, ce n'est pas votre problème. Et puis vous recommencez ailleurs. Vous dites que vous vous en foutez de leur souffrance, de leur pleurs. Vous continuez. Ça là-même, si nous, on n'avait pas parlé là, ils avaient prévu une semaine. Ils sont 76 quartiers. Maintenant qu'on parle, c'est chaque week-end, ils font un peu. Vous êtes méchants, vous êtes sorciers. Vous allez trouver Dieu sur votre route. C'est moi qui vous dis ça. C'est quoi? Donc vous êtes dans le gouvernement là, vous faites des plans pour détruire des vies. Vous faites des plans pour détruire des scolarités. Vous faites des plans pour mettre des gens dans la pauvreté. Nous tous, on vous voit et puis Dieu vous voit. Même si vous êtes dans votre monde, nous là, on est dans le nôtre, mais c'est longue vie seulement, on demande à Dieu. Donc, les amis, c'était pour vous dire que ces mesures-là sont dérisoires. Non seulement c'est dérisoire, c'est mal appliqué. En tout cas, je vous invite à vous attendre. D'ici demain, on va publier le focus. Vous-même, vous allez entendre ce que les gens disent. Pour terminer, nous allons passer aux annonces de ACI. Tout à l'heure, vous allez avoir aussi un focus sur la question, mais nous voulons lancer un appel. Un appel à tous ceux qui estiment que ce que nous faisons est bien. Vous me voyez là, je n'ai plus de travail et celui qui va se tromper pour m'embaucher, il aura des problèmes. Alors qu'on a besoin d'argent pour travailler et nos cotisations ne sont pas suffisantes. Si vous aimez le travail que nous faisons, nous voulons vous inviter à vous engager sur un an. À partir de fin avril jusqu'à fin mars 2025, nous voulons des Ivoiriens qui vont s'engager le peuple. Parce que nous, on a besoin d'aller sur le terrain pour parler à ceux qui sont dans les villages, pour parler à ceux qui sont dans les campements, dans les villes de l'intérieur, pour leur dire sur quelle base on vote quelqu'un. On a pensé que les législatives allaient se faire en 2026. Comme à leur habitude, ils aiment dribbler les champs. À Salé Temoko a parlé, on a su que ça va se faire en 2025. Donc en 2025, là, il y aura présidentiel et puis il y aura législative. Donc nous, on veut aller vers les Ivoiriens, non seulement pour leur dire que les prochaines législatives, là, la société civile aura des candidats, pas ces indépendants qu'on achète après, là, je parle pas des prostituées, j'ai dit, société civile aura ses candidats. Pour faire comme Asalé Temoko fait, là, on aura nos candidats. Donc, on lance cette opération pour que ceux qui comprennent ce que nous faisons, ceux qui soutiennent ce que nous faisons, prennent un engagement pour nous aider de façon efficace et pérenne. Parce que si sur un an, nous, on a les moyens d'aller en mission tous les mois, vous allez voir le résultat. Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent qu'on ne vote pas quelqu'un parce qu'on est de la même religion. On ne vote pas quelqu'un parce qu'on est de la même ethnie. On ne vote pas quelqu'un parce que son physique nous plaît. On vote quelqu'un par rapport à ses propositions pour nous-mêmes notre bien. Quand vous prenez les riz, les huiles, les pagnes qu'on vous donne, les t-shirts, et à cause de t-shirts, tu t'en confies ton avenir à quelqu'un. Après, c'est le même là. Qui vient prendre des décisions contre toi. Aujourd'hui, voilà les déguerpis. Beaucoup regrettent. On ne vote pas à la légère. On vote la personne que tu penses qu'il peut t'aider à changer ta vie dans le bon sens. On vote pas les menteurs. On vote pas les voleurs. On vote pas les trompeurs. On vote pas les gens qui sont toujours dans la ruse. On vote des gens de confiance. Des gens qui sont propres. Des gens qui veulent vraiment transformer la société. Nous, on doit aller vers les gens pour leur dire ça. Prenez les cadeaux. Cadeaux, là, on ne demande pas, donc on prend. Mais quand tu es dans l'une, face, cela est ta conscience, là. Tu choisis qui est en accord avec ce que tu veux pour ta vie, avec ce que tu veux pour ton pays. Nous, on a besoin de faire cette campagne de sensibilisation et d'éveil des consciences. Donc, ceux qui n'ont pas notre courage, là, donnez-nous les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Vous êtes contents de ce qui se passe au Sénégal. C'est pas une affaire de Sonko seulement. C'est une affaire des Sénégalais, citoyens lambda, qui comprend ce que c'est que la démocratie et qui accepte de jouer son rôle.
Si son corps n'a pas de partisans qui comprennent, il ne peut pas faire ce qu'il a fait. Donc, il faut qu'on éduque le peuple ivoirien. Il faut qu'on éveille les consciences des jeunes, des femmes, de tous ceux qui votent. Et puis, à partir d'aujourd'hui, là, pardonnez, arrêtez avec vos histoires de gratuité. La carte nationale d'identité, c'est une pièce administrative dont tout le monde a besoin. Pourquoi tu veux que ce soit forcément un politique qui vienne te donner ta carte d'identité? Toi-même, tu as besoin de ça? Pour aller déclarer naissance, pour aller à la banque, pour faire quoi que ce soit. Quand on te convoque, c'est la carte d'identité. Pourquoi vous voulez forcément que ce soit un politique qui vienne acheter carte d'identité pour vous? Pourquoi? Et à cause de carte d'identité, on a payé pour toi 5 000. Tu t'en as confié tout ton avenir à quelqu'un. Il y a un problème. Vous avez un problème. Il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre à se respecter. Parce que c'est quand tu te respectes que les autres te respectent. Il faut s'informer. Il faut se cultiver. On dit, il y a un écrivain burkinabé qui a rempli une salle de 4000 places pour une simple dédicace. En Côte d'Ivoire, ici, on ne peut pas voir ça. Si on dit, venez, on va parler de qui sont avec qui. Vous allez sortir par milliers. Parce que vous n'avez rien à faire de votre vie. Vous allez payer transport pour ça, là. Si on dit, venez nous écouter, allez payer notre transport. Il y a un problème. Vous-même, vous ne vous aimez pas. Et puis, vous voulez que ce soit les autres qui fassent du bien pour vous. Vous devez changer. Le pays, là, doit changer. Mais pourquoi le pays change? C'est pour ça qu'on dit que les gens ont les dirigeants qui méritent. Vous-même, vous êtes comment et puis vous voulez bons dirigeants. Vous-même, soyez bien. Si vous êtes bien, vous aurez de bons dirigeants. Et non seulement vous allez bien choisir, mais les gens seront obligés de bien faire parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens de bien.